Jeudi 12 octobre, l'immeuble des Hilton Hotel de Kinshasa, aux allures festives comparables à celles vécues lors des grands festivals internationaux. Cet immeuble, totalement réquisitionné, reçoit des grandes figures politiques des proues, des sonoles, attendues par Madame Fifi Masuka Saini, gouverneure de la province du Lualaba, qui à l'occasion ne se présente pas dans cette peau, mais bien sûr dans celle de l'autorité morale de la plateforme politique portant son nom, Fifi Masuka, qui à ce jour dévoile ses couleurs à travers sa matinée politique. Un événement qu'aucun cadre politique de ce regroupement n'aurait jamais rêvé de manquer. Surtout qu'elle, la colonne vertébrale du présidium de l'Union sacrée pour la nation, a consenti d'y prendre part. Dans la salle qui accueille l'événement du jour, c'est une ambiance électrisante qui est vécue, caractérisée par des chants, cris de joie et des slogans scandés en signe de la conviction et la confirmation du choix opté sur leur candidat à faire élire lors des échéances électorales prochaines à la présidentielle. Le décor planté dans la salle, l'autorité morale du regroupement Fifi Masuka Saini, aux côtés de ses membres du présidium, le présidium de l'Union sacrée, les invités de marque constitués de députés nationaux et provinciaux, les candidats pour les élections prochaines ont tous suivi brièvement, avec attention, l'importance de la mission poursuivie par cette plateforme politique Fifi Masuka Saini, laquelle plateforme réunit trois grands regroupements politiques, à savoir l'Alliance des nationalistes AN en sigle, l'Alliance 2024 à 24 et l'Alliance 2025 à 25, qui regroupe en leur sein 26 partis politiques de taille, d'importantes personnalités politiques et des associations imposantes et qui, à ces jours, enregistrent plus de 3000 candidatures pour les élections de décembre prochain, dont ceux présents ont été dévoilés. Honorables Excellences, membres du Présidium de l'Union sacrée de la nation, voici un de vos dispositifs prêts pour la bataille afin de conquérir le deuxième mandat que nous avons décidé. Honorable Excellence, membre du Présidium de l'Union sacrée de la Nation, voici les dispositifs, un des dispositifs à votre portée pour la reconquête du deuxième mandat des Fatih Bekoa. Cette méga plateforme Fifi Masuka Saini, disséminée à travers toute la République démocratique du Congo sous son autorité morale, faire élire le candidat Félix-Antoine Tshisekedi à l'élection présidentielle prochaine demeure son cheval de bataille. La preuve, cette participation et présence enthousiasmée, remarquée dans la salle par cet échantillon de cadres et militants des partis politiques membres des regroupements de cette plateforme politique. Monsieur, notre plateforme pense Fatih, parle Fatih, obéit Fatih, agit Fatih, jusqu'au résultat des élections à tous les niveaux. Motivée par ce souci de faire gagner le candidat qu'elle-même appelle affectueusement le béton de la République,
L'autorité morale de cette plateforme qui porte son nom, Fifi Masuka Saini, reste convaincue que sa plateforme va peser de tout son poids pour faire ramener le candidat Félix Antoine Tshisekedi à un second mandat à la présidentielle. La conférence de présidents, dont moi-même, a officiellement décidé d'entériner la candidature de son excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo à la présidence de la République démocratique du Congo pour un deuxième mandat. Les candidats présidents de la République de notre plateforme et pourra compter sur le nombre de voix que réaliseront les 3258 candidats qu'il a alignés à la délégation nationale et provinciale ainsi qu'aux conseils municipaux sur l'ensemble du territoire. C'est dans une ambiance bon enfant que la rencontre du jour s'est clôturée en attente du début de la campagne électorale pour dévoiler ses biceps. En tout cas, rien à craindre. Les signes sont clairs. Avec la plateforme politique Fifi Masuka Saini, la victoire du candidat Tshisekedi est certaine. Qui vivra, verra. Le deuxième mandat assuré. La victoire est certaine. Pourquoi le tombolo? Quand tu mets ton. Thank you.